J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le début des vacances. Franchement, j'ai trop hâte, ça fait un moment en plus que c'est prévu. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma valise. Je pars 2 semaines en Italie avec mes parents et ma sœur. Ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un mini road trip en voiture. En tout, il me semble qu'on va faire 3 500 km, ce qui peut paraître énorme, mais on a réparti ça sur tous les jours et comme ça, on pourra faire plein de villes différentes. Notre destination finale, c'est Naples. On y est à partir de mercredi, il me semble, et là, on est samedi. Je compte évidemment vous filmer tout ça. J'ai plein d'idées de vidéos en tête, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez suivre toutes nos petites aventures. J'ai regardé un petit peu la météo pour me positionner par rapport à ce que je vais prendre. Il va faire extrêmement chaud. On part sur du 35 degrés. Par rapport à la valise, vu qu'on est en voiture, on peut pas prendre une valise chacun. Ça reviendrait à 4 valises, qui est juste beaucoup trop et puis ça tient pas. Donc on est 4, on va partager une valise. Donc celle-là c'est celle que je vais partager avec ma soeur. On a pris la plus grande. En vrai ça m'arrange parce que j'ai pas mal de matériel du coup avec ma caméra, si je veux prendre ma GoPro etc. Ça prend de la place, plus mes affaires, mon ordi, mon disque dur. Enfin on va dire que ça m'arrange d'avoir la plus grosse valise. Je suis trop contente, on va faire tout ça ensemble. Sachant qu'on a un sac commun avec toutes les chaussures. Donc ça va m'arranger parce que je vais prendre quelques paires quand même. Et pour les produits de toilette, mes parents voulaient aussi qu'on ait un truc commun. Mais j'ai déjà ma trousse de toilette, si elle tient dedans je vais la mettre dedans, comme ça j'aurai même mon maquillage et tout à un même endroit. Du coup concernant mon bébé chat, s'il y en a qui se posent la question, il va aller chez mon copain puisque mon copain ne part pas avec nous. Donc voilà, de toute façon elle a l'habitude d'y aller, donc voilà, elle va beaucoup me manquer, surtout que là elle vient d'avoir 2 mois et elle grandit tellement vite. En plus elle doit aller chez le véto pour ses premiers vaccins etc, donc je vais louper tout ça, mais bon. Du coup c'est parti, j'arrête de parler, on va passer à la valise. Dans un premier temps on va commencer par les vêtements, ensuite les produits de toilette, tout ce qui est make-up etc, et ensuite les choses. Mes parents font un sac de médicaments aussi avec du doliprane, enfin les médicaments de base. Donc ça j'ai pas à gérer, par contre il faut que je prenne ma pilule. Et j'ai des médicaments par rapport à l'allergie au pollen. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais en gros je suis une désensibilisation sur 3 ans. Et donc c'est un traitement qui dure 6 mois par an pendant 3 ans. Donc voilà, faut que je prenne tout ça. Et en ce moment je fais également une cure de magnésium. Bref, on va ouvrir la valise. Je pense qu'on peut le voir, c'est une valise qui est assez large. Donc ça c'est cool, on va pouvoir, enfin elle a assez de profondeur, on va pouvoir mettre pas mal de choses. C'est parti. Let's go faire la valise pour l'Italie. Donc moi je vais prendre cette partie, ça m'arrange comme ça, vous savez on peut zipper le truc et ce sera bien rangé. J'essaye d'être quelqu'un de pas matérialiste, mais c'est vrai que quand je pars en vacances j'ai peur de manquer d'un truc, donc je prends des choses au cas où. Sauf que là vraiment on va éviter de faire ça, parce que vu qu'on est en voiture, si on est surchargé ça va vraiment pas le faire. Et puis même c'est beaucoup plus pratique vu qu'on va changer de logement tout le temps. Si à chaque fois j'ai 15 bagages, enfin c'est pas du tout pratique. Donc on va essayer d'économiser de la place au maximum. Sachant que du coup ce qui est de mes vêtements, donc ça c'est les pulls, je ne vais certainement pas en prendre. Là on a tous mes tops, je vais trier pour vraiment prendre ceux que je préfère parce que je vais pas m'encombrer. Je sais que lui par exemple je l'aime pas trop, donc je vais pas le prendre. J'ai plein de t-shirts, ça je pense que je vais en prendre pas mal quand même. Ici au niveau des pantalons, je pense que je vais juste prendre celui là c'est mon bas de costume, et en vrai vu la chaleur qu'il va faire je pense que ce sera assez. Au niveau des shorts je vais tout prendre, je me pose pas la question. Et au niveau des tenues de sport, ma mère a lavé des fringues ici, je vais prendre une brassière parce qu'à mon avis on ira courir avec ma maman, et un legging. Comme ça je prends pas un short parce que si on va courir en ville on va éviter. Donc là c'est mon nouveau legging de chez Gymshark, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, il est vraiment trop bien, donc ce sera l'occasion de le tester. Au niveau de ma penderie, est-ce que j'ai des trucs à prendre? Je sais pas si je prends un blazer, parce que je me dis pour le soir ça peut être pratique, mais je ne sais pas lequel prendre. Est-ce que je prends le noir tout simple, ou on a également le blanc qui est simple aussi, qui va avec tout. Dans tous les cas je vais prendre ma robe blanche, comme ça je pense que ça peut vraiment servir si on boit un petit cocktail près de la plage et tout. J'ai pas beaucoup de robes, mais celle-là je la trouve vraiment trop belle, donc c'est sûr que je la prends. J'ai oublié de préciser aussi, mais quand j'ai fait ce plan j'ai réalisé que j'avais aussi mes livres à prendre. Sachant qu'on part 2 semaines, que je lis pas mal en été, que je me suis fixé un objectif de lire pas mal quand même, parce que ça censée être toute ma pile à lire pour juste cet été. Donc je vais prendre 4 livres en tout je pense pour 2 semaines, même si je lis pas tout, on sait jamais, parce qu'il y a des vacances où je lis énormément et d'autres où je lis normalement. Donc ça j'ai envie de dire on fera à la fin. J'ai aussi mon cahier de journaling à prendre, et il y aura tous les trucs d'ordinateur, de câbles et tout, ça va me prendre une place ça vraiment. Je vais commencer par tout ce que je vais prendre ici. Donc la règle c'est vraiment de prendre des vêtements que je suis sûre de mettre, que j'aime bien, pour pas qu'ils me prennent de la place pour rien. Bon alors ça c'est une pile de vêtements que ma maman m'a ramené ce matin parce qu'ils ont fait des machines, donc on verra ça après. Ça c'est ce que je prends pour le sport, je vais rajouter un t-shirt, mais on verra après aussi. Donc en top ça je prends pas, et là je prends. Lui je vais le prendre par exemple pour un resto ou quoi, il est parfait, parce que vous savez c'est un top mais sans manches.
Donc en top, je vais prendre tout ça. Ensuite, au niveau des t-shirts, alors lui, il est super mal plié, mais je le prends. J'hésite à prendre un jean aussi parce que je me dis si mon bas de costume il est sale ou si le soir quand même il va se rafraîchir. Donc je pense que je vais prendre un jean aussi. En vrai je suis pas un jean prêt je pense. Donc voilà, je vais en prendre un au cas où. Ensuite dans la pile des affaires propres, ça déjà c'est pas à moi, je pense que c'est à ma mère. Ça c'est des pyjamas, je pense que je vais prendre deux shorts de pyjama. De toute façon on pourra faire des lessives donc ça va. Ah oui celui-là j'ai envie de le prendre aussi, il est bien. Lui je le prends pas. Lui c'est mon top de sport. Lui je le prends pas. Lui c'est un legging de sport mais du coup j'en ai déjà un. Et le jogging gris à mon avis il fera trop chaud pour ça. Au niveau des pyjamas je vais prendre ces deux là. Hop comme ça j'ai deux bas, deux hauts et je ferai des machines. Ensuite on a dit blazer blanc et robe. Ma petite robe elle est trop belle. En vrai ça va, j'ai pas trop galéré. Donc là on a les tenues de sport, mes shorts, mon jean, pyjama, tout ce qui est t-shirt, ça c'est plus des débardeurs, des crop tops. Et on a ma robe, mon blazer. Sachant que j'ai également ce que je porte sur moi, c'est-à-dire un débardeur tout simple comme ça, que je vais saigner aussi je pense en vacances. Et du coup mon fameux bas de costume. Donc maintenant l'étape ça va être de tout mettre dans la valise. Je vais essayer d'optimiser le pliage. J'ai également mes sous-vêtements aussi mais bon ça je vais faire sans vous. Le blazer, je le mettrai là toute fin par-dessus, comme ça, ça l'abîmera pas. Les sous-vêtements, je les mettrai ici. Du coup, j'ai pas trouvé de petite pochette ni rien, mais c'est pas grave en soi, je vais les mettre ici. Ma trousse de toilette ici. Câble et médicaments ici. Et mon ordi, je pense que je la mettrai sur le dessus. Après, ma caméra, ça va voyager tout le temps avec moi vu que je vais filmer un vlog. Donc, je pense qu'on sera bon. Et les chaussures, du coup, dans un sac à part. On va y arriver. Alors, pour tout ce qui est câble, c'est ici. Et j'en ai également sur mon bureau. Donc, le tout que je rassemble. Pour tout ce qui est électronique, du coup, on est bon. Ensuite, on va passer à la trousse de toilette. Voici ma petite trousse de toilette, donc il faut que tout tienne dedans. Sachant que les produits ici, je les ai sortis pour pouvoir nettoyer la petite trousse que je viens de faire. Et également trier parce que je vais pas prendre les produits où il y a quasiment rien dedans. Ça sert à rien et puis ça va juste en fait m'encombrer. Donc ici, je vais prendre ce dont j'ai besoin. Une crème Nivea, celle-là, elle est quasiment pas entamée. Donc ça c'est génial pour l'été, elle hydrate bien. Mon masque pour les cheveux, je sais que ma mère de toute façon va l'utiliser également. Je vais prendre mon mini gommage de chez Ritual. Je le garde exprès pour les voyages. Donc ça c'est parfait. Je vais également prendre un masque visage. Si j'en ai un à choisir c'est lui parce qu'il hydrate vraiment bien. Donc je vais le prendre pour l'été, c'est parfait. On va voir si j'ai de la place pour la laque après. Je vais prendre une nouvelle crème CeraVe parce que la mienne il y en a quasiment plus. C'est une question de jour donc celle-là je la finirai à mon retour. Pareil ça il y en a quasiment plus donc je ferai mon gua sha avec la crème Nivea. La crème solaire il y en a quasiment plus donc pareil je vais pas m'encombrer avec. Le shampoing c'est pareil surtout que ma mère va en prendre de son côté donc j'utiliserai le sien. Par contre je vais bien prendre mon shampoing violet. Pareil pour le démaquillant, je pense que ma mère va le prendre, je vais pas le prendre avec moi. Du coup ces deux choses je vais les mettre dans le sac de mes parents, je sais que ma mère va les utiliser en plus. J'ai mis tous mes petits bijoux là-dedans, donc comme ça c'est vraiment pratique, vous voyez, une petite pochette. Je sais plus du tout où je l'avais eu celle-là, mais voilà, donc c'est parfait. Voilà pour ce dont je vous ai parlé, avec les médicaments dont j'ai besoin tous les jours. Ensuite, je vais prendre mon journal de gratitude. J'ai le petit stylo et une souris. Ma paire de lunettes pour quand je suis sur les écrans. Maintenant on passe au livre, il va falloir que j'en choisisse 4. Ces deux là je les ai achetés hier, je pense que je vais prendre le voleur de baisers, il me tente trop. Je pense que même ça va être le prochain livre que je vais lire. Je prends que des livres de poche, comme ça c'est beaucoup plus simple à transporter. J'ai lu pas mal de Colleen Hoover mais Recruiting You je l'ai jamais lu, je le prends. Et j'ai jamais lu de Christina Loren donc voilà celui là c'est mon premier. Ça fait un moment en plus que je l'ai acheté donc c'est maintenant ou jamais. Verity c'est pas vraiment un livre pour lire l'été, je crois que c'est glauque, je vais pas aimer lire ça sur la plage. Je pense pas. Par contre, je vais prendre du Morgane Moncombe. J'adore cette autrice. J'ai pas lu Nos âmes tourmentées. J'ai vu qu'il y avait plein d'avis divers. Donc voici mes 4 livres pour les vacances. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma valise. Il manque juste mes sous-vêtements. Et ensuite, je vous montrerai vite fait les paires que je vais prendre avec moi au niveau des chaussures. Donc voilà à quoi ressemble ma valise pour le moment. Je mettrai les sous-vêtements ici et le blazer par-dessus. Donc voilà.
Comme ça, ça pourra être fermé comme ça. Le truc qui est défoncé là, c'était la valise d'internat de ma soeur. Au niveau des paires, je vais prendre mes claquettes The North Face, mais également mes nouvelles claquettes comme ça. C'est pas du tout le même style et ça, pour sortir le soir, c'est parfait. Ça, c'est mes chaussures de sport, donc je vais les prendre. J'avais bien envie de prendre ma paire à talons aussi. Et je vais prendre mes Jordan 4 qui me suivent absolument partout. Donc voilà, au niveau des chaussures. J'ai oublié de préciser aussi, mais j'ai mes maillots de bain à prendre, juste ils sont en train de sécher, et mon chargeur de caméra. Mais voilà, j'ai fini ma valise, je viens de la fermer, tout tient, c'est vraiment tout juste. Je pense ne manquer de rien, honnêtement, là j'ai vraiment pas mal de choses. Moi qui m'avais dit que je me restreignais et tout, j'ai quand même pris pas mal d'affaires. Je suis contente parce que comme ça, c'est fait. Je vous recommande avant de partir en voyage, ou même pour aller à l'internat, j'avais une liste dans mon téléphone de toutes les affaires dont j'avais besoin. Comme ça, j'étais sûre de rien oublier. Là, je l'ai pas fait, mais franchement, j'aurais pu. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains vlogs en Italie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !